Alors, la conférence était basée sur les spécificités françaises et notamment sur les freins, les lourdeurs en France. Et à l'occasion de la présentation du projet de Lozipark, on a montré comment on pouvait transformer les spécificités françaises en atouts. D'abord, sur le plan financier, on a à Lozipark un foncier qui est très bon marché, 15, 16 euros le mètre carré, très en dessous des moyennes. On est en zone de revitalisation rurale, donc avec des exonérations fiscales possibles. Et puis sur tous ces freins, on sait qu'on est un pays avec des lourdeurs administratives. Eh bien, on a montré comment on avait réussi à tisser avec l'État, et notamment dans sa dimension locale, les préfectures, les services de l'État déconcentrés, des relations qui facilitent les dossiers et qui ont été employées, nouées à l'occasion de la réalisation du projet Logiparc, mais qui évidemment seront transférées aux entreprises qui viendront demain pour créer, s'implanter et qui ont fait le pari de ce territoire. Et donc on a un certain nombre d'atouts et notamment cette qualité à la fois financière, à la fois de rapidité et puis surtout cette diversité avec la logistique Seveso sur 75 hectares et ce fameux embranchement rail-route avec une vraie chantier rail-route.